Let me now turn to our researcher of the year. And again, Angela has already been presented to all of you. And she is, just as we had Stefan talk about genetics as a very important tool in helping us understand both the range of normal behavior and what happens when people may begin to have considerable suffering. Angela is an expert in another very important area of neuroscience, and this is cognitive neuroscience, where she has a long established international reputation. And so again, the committee had not that difficult a time in really choosing her for the work that she has been doing over a period of several decades, but just as importantly, the work that she has begun over the last couple of years and may be very important in one of our key disorders of fundamental. So very briefly, she has established a long-standing reputation in terms of what we would call motor plasticity, behavior in the, if you will, different areas of the brain that control decision-making. And if you then move to decision-making within the context of social factors, environmental factors, and the like, you can understand relatively quickly why she has now been selected as the head of a major autism center in France, where she is now pursuing very interesting research on trying to understand what the role of oxytocin may be in terms of both social regulation and perhaps may play an important role in enhancing our understanding of autism and what we are now basically calling autism spectrum disorders. So please join me in welcoming back our researcher of the year. Merci. Merci à tous d'être là. Merci à Monsieur Dassault pour cet honneur. Je suis extrêmement contente. C'est un bel encouragement pour mon activité scientifique et pour la recherche en neurosciences en général. Merci aussi à la Fondation Fondamentale. Il y aura beaucoup de monde que je voudrais remercier. Je voudrais le faire à la fin. D'abord, permettez-moi de vous amener dans un petit voyage vers le cerveau et vous expliquer les choix du comité scientifique pour ces prix. Donc, je vais vous parler brièvement des rôles des molécules qui agissent dans notre cerveau et sa relation avec l'autisme. Je voudrais aussi mettre l'accent sur le fait que c'est très important de comprendre le fonctionnement normal du cerveau pour ensuite mieux soigner. Donc, dans ce sens, je voudrais dire que la recherche fondamentale elle est extrêmement importante. Je voudrais vous montrer comment c'est complexe, toute la machine neuronale elle est extrêmement complexe, et même lorsqu'on a des mouvements aussi simples comme aller prendre un objet, regarder tout ce qui s'active dans votre cerveau simplement pour aller voir ces objets et aller les attraper. Et encore, ça c'est une vision très, très schématique de ce qui se passe dans votre cerveau. Évidemment, lorsqu'on arrive à des choses beaucoup plus complexes comme les compétences sociales, être avec les autres, socialiser avec les autres, étudier les cerveaux deviennent encore plus complexes, encore plus difficiles. Mais on a quand même des indices. On sait qu'il y a des régions, justement grâce à la recherche fondamentale, on sait qu'il y a des régions bien précises qui sont importantes pour socialiser. Et c'est ça que je vais vous montrer brièvement. Regardez, là, on a déjà, à la naissance, on est capable de faire des imitations. Ça, c'est une célèbre étude de Meltzoff qui a montré que lorsqu'on montre au bébé des gestes, simplement en regardant, le bébé peut imiter. Donc, c'est une forme très primitive de communication sociale, mais ça montre déjà qu'on est bien équipé déjà à la naissance pour communiquer avec les autres. Alors, certaines personnes, ils peuvent être très intelligentes, ils peuvent avoir une conscience intellectuelle très élevée.
Ils peuvent avoir beaucoup de capacités, capacités artistiques par exemple, capacités intellectuelles, des calculs très importants, et pourtant ne sont pas capables de socialiser. Ces personnes, en fait, ils trouvent beaucoup de difficultés à supporter le regard des autres, être à côté des autres et à interagir tout simplement avec les autres. Ici, je vous ai mis une phrase de Temple Grandin. Temple Grandin, c'est un écrivain qui a raconté à travers différents livres son autisme, son incapacité à socialiser et sa difficulté, le fait que lorsqu'il est avec les autres, elle est avec les autres, il a beaucoup de stress. Lorsqu'elle dit, lorsque je rencontre une situation sociale nouvelle, je dois chercher dans ma mémoire une expérience similaire que je peux utiliser comme modèle pour mon action, pour l'interaction avec l'autre. J'ai beaucoup de difficultés lorsque je suis confrontée avec des, c'est très joli quand elle dit, social surprise. On aime bien avoir des surprises sociales, rencontrer des gens, et surtout lorsque de façon inattendue. Eh bien, ces personnes, en fait, pour eux, c'est une source de stress. Et donc, lorsqu'elle dit toujours, Grandin, lorsque je suis en interaction sociale avec d'autres personnes, j'utilise des programmes de mon action qui sont déjà bien rodés dans ma tête. Donc, tout est fait avec la logique. Alors qu'en fait, nous, en général, lorsqu'on rencontre les gens, on socialise avec les autres, on les fait de façon tout à fait naturelle et instinctive. Donc, vous voyez que les autistes, ils ont une grande difficulté, c'est une grande difficulté à interagir avec les autres. L'autisme ne s'arrête pas là, bien entendu. Mais je voudrais vous parler d'un type particulier d'autisme, c'est le syndrome d'Asperger. Donc déjà, l'autisme, c'est une cause nationale. Il touche une personne sur 88, ça c'est une statistique de la population américaine, et ça coûte au gouvernement américain 35 milliards de dollars par année. Donc vous voyez que les problèmes, ce n'est pas un problème des patients, mais c'est un problème de notre société, de nous tous. L'autre chose qui est très importante, c'est que l'autisme touche aux enfants. Donc, c'est un problème de neurodéveloppement et dans ce sens, il touche le cerveau de demain. Donc, les patients qui ont un syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme, ils peuvent être des personnes qui ont des capacités intellectuelles très élevées. Et encore, comme je vous ai dit, ils ont des problèmes à socialiser. Et un des symptômes principal de ces patients, c'est de regarder dans les yeux. Ils ne peuvent pas, lorsqu'ils parlent avec vous, ils tournent la tête, ils dévient la tête de l'autre côté et ils ont beaucoup de difficultés à soutenir un regard avec l'autre. Même lorsqu'on présente des images, simplement, même lorsqu'ils ne sont pas dans une situation réelle, ces patients ne regardent pas les yeux dans un visage. Par exemple, ici, on a enregistré dans cette étude, on a enregistré les mouvements oculaires des sujets. Ça, c'est la performance d'un sujet sain. Donc, si on peut envoyer la vidéo. Vous voyez qu'il y a une chose bien saillante dans les visages, et c'est les yeux. Tout le monde, quand on a quelqu'un devant nous, on regarde droit dans les yeux. Parce qu'on communique avec l'autre personne, et c'est une forme de communication. Par contre, lorsque vous regardez comment il regarde un patient autiste, vous voyez, en fait, les patients autistes, ils se concentrent en particulier sur la région de la bouche et ils ne croisent jamais les yeux. Et même lorsqu'ils regardent vers le haut du visage, son regard, ses yeux ne croisent jamais, ne regardent jamais dans la région des yeux. Donc, ça, c'est les déficits primaires de ces patients. Et c'est lequel on a voulu nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe dans les cerveaux de ces patients lorsque ces déficits apparaissent. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a la piste de la sérotonine. Il y a des molécules dans notre cerveau qui, on ne les voit pas lorsqu'on fait une IRM, par exemple, mais on sait, avec d'autres examens, c'est possible de les voir, l'action de ces neuromodulateurs. Et ces neuromodulateurs, ils peuvent changer votre comportement. Si vous avez un taux très élevé de sérotonine, par exemple, vous serez incapable de régler votre impulsivité ou votre agressivité. Si vous avez un taux très élevé de dopamine, vous pouvez avoir des comportements très inappropriés, comme c'est le cas de certaines Parkinson. Alors,
il vaut mieux avoir un taux très élevé d'ocytocine parce que là, vous allez être très sociable. Et c'est ça que je vais vous présenter. On s'est intéressé justement dans ces projets à l'ocytocine. L'ocytocine, on pense que c'est cette énorme hormone qui a une action dans notre cerveau. Et on pense, certains auteurs ont fait l'hypothèse que c'est à la base de la formation des groupes dans notre société, donc chez l'homme. On pense que c'est grâce à l'ocytocine qu'on en produit beaucoup à la naissance, on peut socialiser, on peut être avec les autres. On s'est intéressé, on voulait voir si les autistes avaient un taux bas d'ocytocine. Donc, juste brièvement, l'ocytocine, on génère beaucoup d'ocytocine à l'accouchement. C'est d'ailleurs c'est l'ocytocine qui fait que l'enfant puisse sortir du ventre de la mère. Elle est très impliquée dans l'attachement maternel. D'ailleurs, si on annule l'effet du gène de l'ocytocine, on a l'attachement maternel, elle est complètement éliminée chez l'animal. Donc, la mère, déjà, ne s'attache plus. Et des études récentes, en incluant aussi les miens, ont montré que l'ocytocine est impliquée dans la confiance à autrui, l'affiliation, la coopération, l'identité au groupe et l'agressivité vers les individus qui ne font pas partie de notre groupe. Donc, vous voyez que c'est une hormone qui agit dans notre cerveau pour préserver les tissus sociaux d'une certaine façon. Récemment, on a montré que plus on a d'ocytocine, plus on est sociable. Et on sait aussi que, toujours, ça fait partie de mes études, de mon équipe, l'ocytocine agit dans des régions bien précises. Les régions sont l'amygdale et l'hippocampe. Alors, ces régions, elles sont très importantes pour la socialisation, mais sont aussi importantes pour réguler l'agressivité, la réaction à la peur et la mémoire sociale. Nous avons donné de l'ocytocine à des patients qui ont été recrutés dans les centres experts de la Fondation Fondamentale. Donc, c'est grâce à la mise en place de ce réseau fondamental qu'on a pu examiner ces patients. Et donc, ces patients, on a d'abord mesuré les niveaux d'ocytocine dans leur sang. Et vous voyez que les niveaux d'ocytocine, avant une inhalation de l'ocytocine, il est très bas par rapport au groupe contrôle, alors que 10 minutes après, il augmente, mais c'est toujours très loin du niveau chez les normales. Alors, je vous expliquais tout à l'heure que le problème des patients autistes, c'est de regarder dans les visages. Donc, c'est évident que la première chose qu'on est allé voir, c'est d'examiner comment l'ocytocine peut moduler les regards de ces patients. Donc, on a fait plusieurs tâches. Ça, ce n'est une. On a demandé au sujet, aux patients, de regarder, simplement de nous dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Donc, rien d'explicite, mais on voulait regarder comment leur mouvement oculaire, mouvement des yeux spontané, explorait le visage. Et vous voyez, dans ces graphiques, je montre que la prise d'ocytocine, ici, vous avez le temps que les patients passent à regarder les différentes parties du visage, les yeux, le nez, la bouche, etc. Et on voit que l'ocytocine agit sur une région en particulier, c'est la région des yeux. On a une différence statistique que pour cette partie. Donc, la prise d'ocytocine augmente l'exploration du visage, en particulier les yeux. Donc, elle favorise les contacts sociaux de base. Mais on n'était pas content de montrer simplement que l'ocytocine peut agir au niveau de ces contacts sociaux de base. On voulait aussi montrer que les patients peuvent comprendre des situations sociales. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imaginé une tâche à l'ordinateur dans laquelle on a pu contrôler plusieurs variables. Et dans cette tâche, les patients, on lui a dit de jouer. C'était un jeu simple de balles, très, très, très naïve, dans lequel on demandait aux patients de jouer avec trois partenaires qui se trouvaient dans une autre salle. Et il devait recevoir la balle de ses partenaires ou l'envoyer lui-même. Et chaque fois qu'il recevait la balle, il gagnait de l'argent. Donc, il y avait une motivation monétaire qui était pour motiver donc, à faire la tâche. Et enfin, l'astuce de la tâche, c'est qu'on a modifié les profils des personnages avec qui les personnes interagissaient. Il y avait un partenaire qui envoyait toujours la balle au patient. Et donc, il lui faisait gagner de l'argent. Et un autre qui lui envoyait 33% des cas. Et un autre qui lui envoyait jamais rien. Et donc, l'idée de cette tâche était de voir si, comme dans la vie de tous les jours, les patients pouvaient comprendre les différents rôles sociaux
des personnes avec qui il était en train d'interagir. Et donc, on a regardé qu'est-ce qui se passe dans une situation de placebo et une situation d'ocytocine. Et vous voyez que dans la situation de placebo, on n'a pas de différence au nombre de coopérations vers la personne, les trois personnes, alors qu'en situation d'ocytocine, les patients, ils coopèrent beaucoup plus avec la personne de qui reçoit le plus la balle. Il est intéressant parce que l'ocytocine, chez ces patients, il a augmenté aussi le niveau de confiance chez les partenaires et le niveau de préférence. Donc, ces résultats montrent que l'ocytocine peut améliorer les capacités sociales des patients autistes et on démontre donc en même temps son potentiel thérapeutique. Évidemment, il y a beaucoup d'études encore qu'on doit faire. Il y a plusieurs pistes dans lesquelles on s'oriente. Justement, comme le professeur Kopfer l'a dit, on vient d'ouvrir l'Institut de recherche pour l'autisme à Lyon. Donc, c'est un centre qui est affilié à la Fondation fondamentale et qui est avec le support du CNRS et les Rhône-Alpes qu'on a pu rénover ces locaux. Donc là, on a des étudiants, des chercheurs, des post-docs étrangers. C'est un centre donc international et la recherche va être sous l'autisme. Donc on a plusieurs pistes. On voudrait d'abord regarder ce qui se passe dans les cerveaux de ces patients lorsqu'ils prennent l'ocytocine. On voudrait aussi faire une analyse du signal en temps réel. Et enfin, on veut aussi regarder comment l'ocytocine interagit avec d'autres neuromodulateurs qui sont très importants, qui sont la sérotonine et la dopamine. Et enfin, en collaboration avec Jean-René Duhamel, qui travaille sur les primates, on voudrait créer, et ça c'est une partie très importante, un modèle autiste chez les primates, qui est effectivement, les primates, ces animaux ont des comportements très sophistiqués qui rassemblent, leur socialisation rassemble beaucoup à l'homme. Je voudrais remercier les groupes Dassault pour ces prix, pour cette récompense qui nous honore, Monsieur Serge Dassault, Madame Marie-Hélène Haber, Monsieur Olivier Costa de Beauregard, pour leur effort. Je voudrais remercier aussi la Fondation fondamentale, Monsieur David de Rothschild, le professeur David Kopfer et les comités scientifiques qui m'ont sélectionné. Bien sûr, je voudrais remercier vivement Marion Leboyer, sans qui tout ça ne pouvait pas avoir lieu. Je voudrais aussi remercier les personnes qui ont organisé l'événement, Madame Gaud, Madame Couvreur et Maria Chauvet. Et je voudrais remercier, bien entendu, mon équipe, parce que je ne suis pas toute seule à faire ces études. J'ai mes chers collaborateurs. Et enfin, je voudrais remercier les patients. Je vous ai mis ici les prénoms. Je ne peux pas, pour des raisons de confidentialité, bien entendu, mettre les noms, mais c'est à eux que j'ai dédié ces prix. Merci beaucoup.